En conflit avec la loi, de jeunes mineurs ont participé à des ateliers de prévention routière. Originalité de la démarche, ce sont ceux qui ont franchi la ligne jaune qui deviennent formateurs. À 50 km/h, vous avez une distance de freinage de 13 mètres. Donc si vous commencez à l'arrière du bus et que vous freinez ici à 50 km/h, je peux vous dire que la famille a fini sur le capot à 13 mètres. Avant, j'imaginais pas tout ce danger, tous les problèmes que j'aurais pu avoir au volant d'une voiture. Quand vous allez reprendre le volant, vous aurez une bonne conduite. Sûrement, avec le permis de conduire. Oui, bien sûr. Une très bonne conduite, oui. Et au volant de ce simulateur de conduite 4 roues, se succèdent les différents éducateurs qui ne se conduisent pas toujours très bien. Vous êtes un bon conducteur ? Alors, normalement, oui, j'ai tous mes points. Vous n'utilisez jamais le téléphone au volant ? Ça m'est déjà arrivé, mais j'évite au maximum. Et là, vous avez conscience que ça peut poser des problèmes ? Oui, tout à fait. Autre atelier de sensibilisation, l'alcool au volant. Donc vous avez bu et vous prenez le volant, c'est ça ? C'est l'assistante sociale qui chausse des lunettes spéciales pour s'élancer sur un parcours semé d'embûches. Résultat, sortie de route. C'est comme si on avait 1,2 g de 2 g d'alcool dans le sang. Ça revient à 6 verres. Dernier atelier, toujours avec les jeunes mineurs comme formateurs, de l'utilisation du téléphone mobile qui coupe trop souvent de la réalité et même de la vie. Attention,